Куба Oui, euh, je vous remercie de m'avoir invité pour me permettre euh, d'échanger avec euh, la communauté africaine, en général camerounaise, en particulier de la France et, et surtout de Strasbourg. Euh, mon parcours politique est simple. J'ai été député euh, très jeune à 24 ans. J'ai été membre du comité central de, du parti au pouvoir avant ma démission en 2004. J'ai créé un courant... Réformateur au sein de ce parti. Je me suis présenté aux élections présidentielles en 2004. Euh, J'ai été euh, empêché de me présenter et euh, je suis parti euh, en exil politique en 2005. J'ai créé euh, un courant euh, de réflexion avec les éléments de la diaspora depuis cette époque. Et euh, ben voilà. Je suis à la tête d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, avec la perspective de conquérir le pouvoir très prochainement. Pourquoi vous vous êtes politiquement Écoutez, dans la vie, la politique comme tout autre métier est une vocation. Comme je vous l'ai dit, je suis devenu député à 24 ans. Ça veut dire que très tôt, j'ai commencé à me préoccuper des transformations sociales de mon environnement. D'abord local et ensuite dans, dans, dans le franc, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à apporter à la nation. Donc je travaille en politique parce que j'estime que euh, c'est le lieu où je peux apporter des transformations sociales dont mon pays a besoin. Et même au-delà de mon pays, je crois qu'il faut qu'il y ait des leaders politiques sur le continent qui portent avec euh, euh, des convictions fortes le développement général de notre continent. Et nous, dans la perspective du parti auquel j'adhère, nous pensons que le temps est venu de passer des archaïsmes à la modernité dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour se développer. Vous avez... la, 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 la situation de l'Afrique est préoccupante au plan général, euh, au-delà au des, des particularités dramatique comme la Côte d'Ivoire, on peut penser que euh, l'Afrique euh, traîne le pas à s'engager dans la voie de son développement. Moi, je pense que l'Afrique a souffert euh, longtemps de euh, son histoire, d'abord l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui, l'Afrique ressemble euh, à ce, cette chèvre qui a été longtemps euh, attachée et qui, détachée, a du mal à partir, parce qu'elle croit qu'elle est toujours enchaînée. Il me semble qu'aujourd'hui, la situation des populations africaines au niveau de leur standard de vie, il me semble qu'aujourd'hui, le niveau de développement, le besoin de développement de l'Afrique en matière d'infrastructure, de santé, d'éducation, est une préoccupation fondamentale que la politique doit pouvoir porter. Mais cela suppose que les Africains... Les leaders africains comprennent le sens des responsabilités euh, qui, qui, qui est le leur de transporter leur population de la misère vers la prospérité, de sortir leur pays des archaïsmes pour les engager dans ce que j'appelle la modernité, c'est-à-dire euh, les civilisations nouvelles qui correspondent aux exigences de notre temps. Le monde bouge, les hommes bougent, les choses bougent. L'Afrique doit bouger avec les choses du monde qui bougent. Malheureusement, on a l'impression que l'Afrique euh, est portée par des leaders qui sont attachés à leurs euh, avantages. On a l'impression que l'Afrique est réactionnaire, ou le leadership africain aujourd'hui est réactionnaire. Donc, c'est un leadership qu'il faut bousculer. L'Afrique doit se prendre en main, et l'élite africaine doit comprendre la responsabilité qui est la sienne de porter l'Afrique et de le conduire vers la modernité. Euh, ce discours passéiste qui a tendance à tout mettre sur la colonisation, l'esclavage, euh, l'exploitation de l'autre, j'estime que s'il y a une part de vérité dans ce discours-là, euh, euh, ce discours-là est un discours passé euh, qu'il faut révolutionner. C est, c est, il traduit un peu un manque de responsabilité de la part de l'Africain qui joue au grand enfant. Nous devons aujourd'hui comprendre que c'est à nous qu'il appartient de développer l'Afrique. C'est au leader africain qu'il appartient de, de la responsabilité de conduire l'Afrique vers le destin qui est le sien, compte tenu euh, d'un monde où il n'y a plus de cadeaux. Il ne faut donc pas attendre que les puissants viennent délibérément vers nous nous dire écoutez, nous avons enfin décidé de vous développer. C'est à nous de le faire. Justement, vous avez parlé de, de, de tout ça et vous nous avez, avez expliqué votre engagement politique depuis 24 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il y a des jeunes Africains qui n'ont pas connu l'époque de la colonisation, donc qui ne sont pas au fait de ces problèmes-là, qui sont en mesure d'adapter de, 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 euh, l'évolution aujourd'hui du monde à leur vision et essayer de développer euh, l'Afrique autrement eh bien, je le pense tellement que ce que vous venez de dire est, est tout à fait illustratif de ce que je disais tout à l'heure. Nous avons donc des jeunes Africains intellectuels du monde moderne qui n'ont pas vécu la colonisation, qui n'ont pas connu l'esclavage, mais qui se débinent de leurs responsabilités en utilisant l'esclavage et la colonisation comme étant les freins qui, qui, qui les empêchent de porter la responsabilité de conduire leur pays vers le progrès. J'estime que c'est le moment où les jeunes Africains, qui effectivement ont des compétences, doivent prendre la responsabilité. Mais ça veut dire qu'on a des convictions, ça veut dire qu'on est patriote, ça veut dire qu'on a un sens élevé du bien commun, ça veut dire qu'on a une vision globale du développement et qu'on comprend les mouvements du monde. Euh, c'est défausser sur l'esclavage. Le, la colonisation, l'impérialisme, moi j'estime que lorsqu'on n'a pas vécu tout cela, lorsqu'on est même né, comme pour certains cas, né en Occident, lorsqu'on est né 50 ans après euh, l'esclavage, on n'a pas de raison d'évoquer ces termes-là pour justifier les la paresse intellectuelle qui envahit malheureusement les leaders africains les à développer leur Ils continent. Oui, absolument. Nous avons des conseillers jeunes, nous avons des responsables politiques très jeunes. D'ailleurs, vous pouvez voir les gens. Euh, Maître Ténesseau, c'est un jeune. Euh, Madame Ekobe, c'est une jeune. Euh, Monsieur Kakmeni est un jeune. Monsieur Sopi est un jeune. Le secrétaire général de notre parti, il a 27 ans. C'est pour vous dire, euh, mon conseiller spécial, il a 27 ans. Euh, J'ai des, des conseillers qui ont 23 ans. Donc, je crois que la jeunesse est un facteur important de vélocité de progrès. Et il ne s'agit pas simplement de les préparer. Il s'agit de placer la jeunesse au cœur même du progrès de notre développement. Je crois que les axes principaux de ma préoccupation politique qui euh, conduisent notre programme politique dans le RDMC, c'est la jeunesse et le paysan camerounais. Écoutez, euh, vous, vous venez de dire quelque chose de très pertinent, mais seulement je voudrais que vous compreniez, et, et je saisis l'occasion pour le dire également à mes compatriotes africains et camerounais en particulier, il n'y a pas aujourd'hui une possibilité pour un pays, pour un peuple, de vivre en autarcie ou d'organiser son développement sans s'appuyer sur un autre peuple ou sans organiser... Un, éter, un, 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 un échange inter-État des, des biens, des connaissances. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. C'est pour ça que lorsque vous aviez évoqué la Côte d'Ivoire qui se déchire, elle ne se déchire pas parce que les gens veulent développer la Côte d'Ivoire. Elle se déchire parce que les gens veulent euh, rester au pouvoir en Côte d'Ivoire ou, ou être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, nous disons que les Occidentaux euh, viennent en Afrique prendre les richesses qu'il y a en Afrique. Mais monsieur, c'est un grand débat. Vous savez, les Africains disent, nous avons un continent très riche, ce qui est vrai. Mais euh, imaginez que euh, aujourd'hui on dise, écoutez, on arrive aux Nations Unies à prendre une résolution qui dit, les Occidentaux, les Chinois ne viennent plus chercher le pétrole en Afrique. Vous savez ce qui va se passer Le pétrole, il sera sous nos pieds. Parce que nous n'avons pas développé aujourd'hui le type d'enseignement qui conduit vers des techniques, l'appropriation des sciences et technologies qui, qui conduisent vers l'exploitation de ces richesses. Et, 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 et c'est pour cette raison que nous sommes bien obligés de travailler avec ceux qui consomment même ces biens-là. Ceux qui détiennent les unités, les industries de production aéronautique, les industries de production nucléaire. Ce sont les Occidentaux. Donc c'est eux qui consomment le plus même ces carburants. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, cher monsieur. J'entends des populations dire depuis un certain temps qu'il y a l'embargo sur la vente du cacao. Mais à qui vend-on ce cacao Ça suppose que si les Occidentaux ne partent pas acheter ce cacao, L'Afrique elle-même n'a pas développé des compétences et des techniques pour pouvoir consommer lui-même son cacao sans s'appuyer sur l'Occident. C'est exactement ce qui se passerait avec le pétrole si on nous laissait avec notre pétrole aujourd'hui. Quelles sont les unités industrielles que nous avons développées entre-temps en Afrique qui seraient capables de résorber la production de pétrole que nous produirions nous-mêmes sans les Blancs Je crois que les gens doivent être raison gardés. Il y a un besoin d'échange. Ce qui blesse, c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre les exploitants et, et, et les propriétaires des matières exploitées. C'est cet équilibre qui fait défaut. Ce n'est pas le fait que les gens viennent chercher des produits. Ce serait même dramatique que les gens ne viennent pas chez vous chercher des produits. Qu'est-ce qui se passerait si moi, je ne viens pas à votre studio pour entretenir vos, vos, vos auditeurs, pour avoir un échange avec vous Vous auriez une radio où il n'y aurait pas d'auditeur. Donc il faut qu'il y ait cet inter-échange entre les hommes, il doit continuer, il doit se poursuivre. Le discours xénophobique, qu'il soit d'ordre politique, qu'il soit d'ordre économique, qu'entretiennent qu certains leaders ou certains leaders d'opinion ou certaines catégories sociales africaines, est un discours négatif. Voilà. Nous devons aujourd'hui comprendre que... Tout repose dans notre capacité à négocier nos contrats. Tout repose dans notre capacité à utiliser nos richesses pour notre développement. Non pas à exploiter l'exploitation de nos richesses pour aller garder l'argent dans les banques étrangères. Qu'est-ce que ça fait aux Africains, aux intellectuels africains, aux leaders africains Quand un, un leader africain est en difficulté à la tête d'un État. Qu'est-ce que ça fait aux Africains qui défendent ces leaders lorsqu'ils apprennent qu'on a gelé leurs biens à l'étranger Est-ce qu'on peut geler quelque chose qui n'existe pas Donc, je pense que nous avons de gros problèmes et on se défausse de ces problèmes, on se déresponsabilise de, de nos défaillances pour trouver des faux fuyants. L'Afrique a des intellectuels, l'Afrique a des compétences, l'Afrique a des richesses. Le leadership africain, le nouveau leadership africain que j'appelle de tous mes voeux, doit avoir pour seul objectif de développer l'Afrique et de mettre au service de l'Afrique les richesses africaines au lieu de les mettre au service des oligarchies, au lieu de développer la boulimie, la cupidité qui fait que les leaders africains vident l'Afrique de leurs richesses pour leur propre compte et se défaut sur l'Occident. On, on peut faire confiance à des hommes capable de, de réaliser tout ça, de sortir des milliers de jeunes qui, fait, qui font leurs études mais qui n'ont pas de boulot, d'aider de, 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 les villageois à avoir accès aux soins, aux choses les plus terre-à-terre. Est-ce que vous pensez qu que l'Afrique est capable de produire, de sortir un leadership de, de ce type, de, du type d'Obama Oui, je pense que l'Afrique est capable de sortir un leadership nouveau. Qui le conduisent vers son progrès, vers son, vers sa modernité. J'en suis. Il aura quel profil, suis... à, 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 à il, aura quel profil il aura quel profil ou quel profil Quel profil eh Ben, le, il n'a pas un profil. Extra. On ne va pas, on ne va pas attendre que Dieu descende. Ce sera comme vous et moi. Il suffit d'être habité par une ferme volonté de développer l'Afrique. Moi, je détache cette ferme volonté des discours, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Basé sur la xénophobie économique, où on dit, oui, euh, moi je suis un souverainiste ou je suis un. Voilà. Non, ce, ces discours-là ne tiennent plus la route. Ce sont des chiffons rouges. Nous devons être habités par une ferme volonté de développer notre continent, de restituer à notre continent ce qui lui appartient, de restituer à notre peuple sa richesse c'est-à-dire de la mettre au service de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse africaine, des femmes et des paysans africains. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a à la tête de nos États des castes qui se sont appropriées la richesse et qui ont laissé de côté le rôle même de la politique, qui est celui de créer le bien-être social des populations. Et c'est pour ça que ces castes-là s'affrontent. Et malheureusement, elles ne s'affrontent pas pour le peuple. Elles s'affrontent autour du pouvoir et pas pour le pouvoir. Donc, euh, pour, surtout pour ceux qu'elles font du pouvoir. Je crois que l'Afrique, c'est le continent de demain. Le continent de demain parce que c'est le, le continent où il y a encore tout à faire. C'est le continent où la menace nucléaire n'existe pas. C'est le continent où les terres sont encore vierges. C'est le continent où euh, on, on a encore de l'oxygène à cause de nos forêts. Donc, c'est même le continent de demain qui recevra... Avec bonheur, des technologies qui viendraient du monde qui le détient aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que nous fassions attention à la qualité de l'investissement, au choix de nos investissements. C'est très le... important. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du Cameroun, votre Cameroun Ce que vous pensez Est-ce que vous pensez vous présenter pour les élections prochaines Pourquoi vous pouvez vous présenter Et qu'est-ce que vous comptez faire pour vous, le Cameroun Bon, écoutez, c'est beaucoup de questions à la fois pour très peu de temps, mais je vais essayer de résumer cela. Oui, en effet, je suis fortement habité par l'intention de me porter candidat à la présidentielle du Cameroun dans sans doute les semaines prochaines, c'est-à-dire de déclarer ma candidature bientôt. Pour la jeunesse camerounaise, oui, nous avons un grand projet pour la jeunesse camerounaise. Il s'agit d'abord de donner à ceux qui sont aujourd'hui, les outils de travail. Ça pourrait être euh, très fastidieux de développer, mais j'essaierai de donner quelques indications. Il faut passer à la formation accélérée de cette jeunesse, à la maîtrise des besoins de développement actuels de chaque milieu local. Si, et et j'appelle ça leur donner accès euh, aux technologies de sixième génération, sans qu'il y ait besoin de faire un cursus. De, 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 de 12 ans, de 10 ans, pour pouvoir euh, euh, accéder à ces technologies. Ça, c'est l'une des choses. Il faudrait créer pour le monde rural tout de suite, évidemment, des chambres agricoles locales, et mettre à la disposition du paysan les outils qui lui permettent de passer de l'archaïsme qui, qui fait qu'on travaille avec les houes et les machettes aujourd'hui à la mécanisation agricole. Ça suppose des réformes agraires qui donnent à la terre sa vraie valeur de productivité. Tous ces outils supposent qu'il y a un encadrement de la jeunesse en milieu rural, en milieu rural euh, urbain, pour que le jeune accède à des formations techniques immédiates, qui dont nous avons besoin pour organiser notre développement. Nous ne pouvons pas développer nos pays en allant chercher des mains d'œuvre ailleurs. Euh, ça, c'est pour parler rapidement de la jeunesse. Ça veut dire des réformes d'éducation, ça veut dire des réformes euh, en matière de santé, qui pour nous est un facteur de progrès parce que la, la, la santé aujourd'hui est laissée au sort à la magnanimité à la famille il faudrait que la santé euh, soit prise en, en charge par l'État ça suppose que nous avons des systèmes de mutuelles qui sont mis en place un système de sécurité sociale ça suppose des infrastructures modernes euh, euh, hospitaliers modernes pour permettre aux gens de se soigner sur place au lieu de faire des évacuations sanitaires que le qui coûtent extrêmement. Ces... Oui, je pense que le Cameroun a les moyens. Pas seulement le Cameroun plusieurs pays africains ont les moyens. Lorsque vous regardez le volume des détournements, vous comprenez Je vais vous prendre un exemple. En 10 ans, il y a eu des détournements au Cameroun de l'ordre de 3 milliards d'euros. Représentez-vous ce que ça peut faire, 3 milliards d'euros, si on met ça dans le développement local du pays euh, la notion de est-ce que le cameroun a l'argent le pays africain a l'argent c'est une notion encore une fois de des gens qui se défaussent sur des faux-fuyants l'afrique en général a les moyens d'assumer son développement nous devons mettre les moyens de l'afrique à la disposition des africains c'est tout tout est dans la volonté politique de réaliser des choses je crois que c'est de ça qu'il s'agit s'agissant maintenant euh, de qu'est-ce qui fait que euh, nous puissions euh, vouloir nous présenter, oui, nous devons nous présenter, parce que nous devons mettre un terme à la misère qui mine le peuple africain et le peuple camerounais. Bon, vous avez parlé du football, du coup de gueule des taux. Oui, j'ai vu ces images, euh, c'est dommage, mais bon, euh, on peut penser que c'est un moment de faiblesse qui arrive à un jeune qui est plein de pulsions, mais euh, on pense que lorsqu'on a atteint certaines sommités, euh, on doit se contrôler. Seulement, si je suis attaché au sport, je considère le sport comme étant euh, des moments de détente qui ne doivent pas détourner le, un peuple de, 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 ses, de ses vraies obligations. On n'a jamais vu un pays se développer parce que euh, la plupart de ses euh, citoyens courent derrière un ballon. Je crois que ce que nous devons faire, c'est de nous divertir de temps en temps avec euh, de, 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 des ballons, mais la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, je l'appelle à se former, à aller vers le travail. J'ai appris que le président Paul Biya, que je voudrais remplacer au cours de l'élection prochaine, a promis une université de football aux jeunes camerounais. Moi, je dis aux jeunes camerounais que cette université de football, je vais la mettre dans les tiroirs si je prends le pouvoir, pour créer des universités de pont et chaussée, pour créer des universités de médecine, pour créer des universités d'architecture, pour créer des universités. Euh, euh, des, des, des hôtels euh, des hôtelleries ça c'est plus urgent que courir derrière un ballon c'est très bien de rayonner par en jouant au football mais c'est mieux de rayonner parce qu'on a des routes de rayonner parce qu'on a des belles maisons et de rayonner parce que on mange parce que voilà donc voilà pourquoi moi je pense que le football il est beau il est bien euh, mais seulement euh, c'est pour moi c'est du divertissement. Ce n'est pas ça qui doit permettre à un pays de rayonner. Euh, malheureusement, on a donné l'impression aujourd'hui au Cameroun que le Cameroun peut rayonner par le football. C'est vrai, mais ce n'est pas ma priorité. Merci beaucoup Monsieur Mila d'avoir accepté notre invitation. C'était le passage de Monsieur Mila sur le 41.9. Il nous a parlé des prochaines élections qui se présente au poste de président de, de, du Cameroun. On lui souhaite toutes les chances. On aura l'occasion de recevoir ici sur le 19.9 l'Association des Camerounais de Soiseaux pour nous parler un peu plus du Cameroun, des problèmes du Cameroun. Je vous rappelle tout simplement qu'aujourd'hui a eu lieu une manifestation de, de l'association camerounaise ici à Strasbourg. Merci encore, M. Mila, et bonne chance à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. S'agissant de la, en très peu de mots, de la, socia, de la marche qu'il y a eu à Strasbourg, je félicite les Camerounais qui l'ont organisée et qui ont marché pour revendiquer un droit, le droit de vote. Il n'est pas normal, au XXIe siècle, que les Camerounais vivant à l'étranger ne puissent pas participer au choix de leur président de la République, de leur dirigeant. Donc, nous appelons vivement euh, les Cam, les autorités du Cameroun, à laisser les Camerounais de l'étranger voter. Merci beaucoup, Monsieur Mila. Je vous remercie.